C'est pas tous les jours qu'un mathématicien devient pape, non? Eh bien, c'est arrivé, en l'an de grâce 999. Et c'est arrivé à Gerbert d'Aurillac, un de ces personnages dont il n'est pas facile de démêler la vie de la légende. Déjà, ce portrait n'a aucune chance d'être ressemblant. De son enfance, on ignore tout. On sait juste qu'il a été placé dans un monastère à Aurillac et qui s'y est fait remarquer par son aptitude aux études. En 967, le comte catalan Borel, ayant fait étape à Aurillac, on lui confie Gerbert pour étudier en Catalogne. Là, il peut accéder à d'excellentes bibliothèques, alimentées entre autres par des traductions de textes arabes. Il est bien possible que Gerbert ait profité de ce cloître du monastère de Ripoll, qui possédait une belle bibliothèque. De retour de Catalogne, ses protecteurs l'amènent à Rome, où il est recommandé au pape Jean XIII et à l'empereur Othon Ier, qui lui confie des missions d'enseignement. En 972, il étudie la philosophie à Reims, puis il devient écolâtre, c'est-à-dire maître de l'école cathédrale. Après un intermède italien, il revient à Reims, où il contribue à faire élire Hugues Capet, roi de France. Il est nommé archevêque en 991, ce qui lui vaut des ennemis. Et comme le successeur d'Hugues Capet soutient ses adversaires à partir de 996, il préfère se réfugier en Italie. D'autant qu'il y est puissamment soutenu, en particulier par un de ses élèves qui devient empereur sous le nom d'Othon III. Sur cette image, le personnage tonsuré que vous voyez à la droite d'Othon III est probablement Gerbert. Grâce à Othon III, Gerbert est élu pape en 999 sous le nom de Sylvestre II. Et ceci est sa statue dans la ville d'Aurillac. Une alliance durable entre le Saint-Empire romain germanique et la papauté aurait évité nombre de querelles dans les siècles suivants. Mais ne rêvons pas. Othon III meurt à l'âge de 22 ans, suivi par Gerbert, quelques mois plus tard. Voilà. C'est à peu près tout ce dont on puisse être sûr. La seule source provenant de quelqu'un qui a personnellement connu Gerbert, ce sont les quatre livres d'histoire de Richer de Reims. Ce Richer a manifestement côtoyé Gerbert à Reims pendant plusieurs années, mais on ignore dans quel cadre. Il a pu être son élève ou un de ses collègues ou simplement un ami. En tout cas, dans l'introduction, Richer dit que Gerbert a insisté pour qu'il écrive cette chronique. Voici son témoignage. Quant aux mathématiques, il n'est pas inutile de dire ce qu'elles lui ont coûté de peine. Il commença par enseigner l'arithmétique, qui est la première partie de cette science. Puis il travailla à répandre la connaissance de la musique, longtemps ignoré des Gaules. Il ne sera pas non plus hors de propos de dire toute la peine qu'il prit à expliquer l'astronomie. En admirant la sagacité d'un si grand homme, le lecteur sera à même d'apprécier les ressources de son génie. Car, à l'étonnement général, il sut, au moyen de certains instruments, donner la connaissance d'une science qui est à peine intelligible. Richer décrit ces instruments pédagogiques que Gerbert avait fabriqués pour enseigner l'astronomie. Un globe terrestre, des sphères armillaires, et puis une autre sphère pour représenter les constellations. Cet appareil avait cela de divin que, fût-on étranger à la science, il suffisait de vous y montrer une seule des constellations pour qu'on apprît, sans maître, à reconnaître toutes les autres. Aussi les disciples de Gerbert y puisèrent-ils une large instruction. Et sur sa lancée, il invente un autre instrument pédagogique,
Gerbert ne donna pas moins de soin à l'enseignement de la géométrie. Pour préparer les voies à l'étude de cette science, il fit construire par un armurier un abaque, c'est-à-dire une tablette disposée pour le calcul. Cette tablette était divisée en 27 colonnes longitudinales, où il plaça les 9 chiffres qui lui servaient à exprimer tous les nombres. En même temps, il fit exécuter en corne 1000 caractères semblables qui, disposés dans les 27 compartiments de l'abaque, donnaient la multiplication et la division de toutes sortes de nombres. On a retrouvé sur un parchemin une table à compter, probablement tracée sur le modèle de l'abaque de Gerbert. Sur les 1000 caractères en corne, Gerbert avait fait graver les 9 caractères arabes occidentaux ou gobar. Ce sont les fameux apis. Le mot apis, qui vient de sommet en latin, peut laisser penser que les morceaux de corne étaient coniques, mais on n'en est pas sûr. L'idée était d'utiliser l'abaque non pas en accumulant des jetons identiques dans les colonnes, mais en plaçant dans la colonne un seul jeton portant l'indication du nombre. Remarquez qu'il n'était pas question de zéro, il y avait simplement des colonnes vides. Cette invention prouve deux choses. D'une part, Gerbert avait eu connaissance des chiffres arabes, probablement par l'intermédiaire de ses connaissances en Catalogne. D'autre part, il n'était pas question pour lui d'enseigner la numération de position avec le zéro, sans les colonnes de l'abaque. Est-ce qu'il l'avait comprise? Est-ce qu'il l'a trouvée trop difficile pour l'enseigner? On ne le saura jamais. Le tout est que, quand il a des nombres à écrire, il les écrit toujours en chiffres romains. Comme par exemple dans sa géométrie. Pour vous dire à quel point Gerbert était loin de l'enseignement des Grecs, voici ce qu'il dit du théorème de Pythagore. Il existe une autre loi tout à fait digne d'une réflexion plus soignée. Elle est absolument correcte pour les triangles rectangles pythagoriques, et dans tous les autres triangles rectangles, elle est soit tout à fait vraie, soit très proche de la vérité. Presque dans tout triangle rectangle, on peut cerner la grandeur du troisième côté au moyen de deux côtés quelconques, par une construction absolument sûre de la nature. Et là, Gerbert détaille longuement comment faire pour retrouver un côté en fonction des deux autres, en distinguant les trois cas, selon qu'on veut l'hypoténuse, le petit ou le grand côté de l'angle droit. Non seulement il n'a pas la notion de ce que peut être une démonstration à la Euclide, mais il n'est même pas question pour lui de considérer l'objet géométrique triangle-rectangle dans toute sa généralité. Il illustre par de multiples exemples les longueurs des trois côtés pour les triangles qu'il appelle pythagoriques, c'est-à-dire les triangles semblables aux triangles de côté 3, 4, 5. Comme vous le constatez, il n'y a pas de chiffres arabes. Sur les deux premières lignes, vous voyez des triangles pythagoriques à côtés entiers, dont les longueurs sont écrites en chiffres romains. La surface est aussi entière, et elle est écrite au milieu. Sur la dernière ligne, vous voyez des signes bizarres à côté des chiffres romains. C'est la notation de Gerbert pour les fractions. Il donne une liste de 11 fractions qui, chacune, ont un nom et une notation propre. Par exemple, en bas à gauche, vous voyez le triangle pythagorique dont le petit côté est 4. L'autre côté de l'angle droit est 16 tiers, soit 5 et la fraction 1 tiers. L'hypoténuse est 20 tiers, soit 6 et la fraction 2 tiers. La surface est 32 tiers, soit 10 et la fraction 2 tiers. Pour naïve et incomplète que les mathématiques de Gerbert puissent nous paraître, elles étaient encore très au-dessus des connaissances de son temps, au point qu'elles ont alimenté sa légende noire, comme nous allons le voir.
Héloïse et Abélard, vous connaissez bien sûr. Leur tragique histoire d'amour est un modèle du genre. Surtout si on l'agrémente des détails scabreux que vous me dispenserez de rappeler. Ils ont réellement existé. Même que Pierre Abélard est un des grands penseurs du XIIe siècle, un des rares, au Moyen-Âge, à avoir dominé la dialectique et compris la pensée d'Aristote. Eh bien, Pierre Abélard, qui pourtant a laissé un cours de logique tout à fait remarquable, était réfractaire aux mathématiques. Cette science elle-même, dont l'exercice est abominable et qui se nomme la mathématique, ne doit pas être réputée mauvaise, car il n'y a pas de crime à savoir au prix de quels hommages et de quelles immolations les démons accomplissent nos vœux. Le crime est d'y recourir. Et vous voyez à quel point, même chez un penseur, la distance entre ce qu'on ne comprend pas et le démoniaque était faible. Abélard devrait vous mettre en condition d'accepter le témoignage de son contemporain, Guillaume de Malmesbury. À un an près, ils ont les mêmes dates. Guillaume était un moine anglais. Il a écrit cette chronique des rois d'Angleterre qui est le fondement de l'histoire de l'Angleterre. Il y présente l'exploit d'un de ses frères dans le même monastère. Aymer de Malmesbury. Pour quelqu'un de ce temps-là, il était savant. Il était âgé et dans sa jeunesse, il avait tenté un acte d'une hardiesse remarquable. J'ignore comment il avait attaché des ailes à ses mains et à ses pieds, de sorte que, prenant la fable pour la réalité, il puisse voler comme Dédale. Profitant de la brise au sommet d'une tour, il vola sur plus de 200 mètres. Mais secoué par la violence du vent et les tourbillons d'air, autant que par la conscience de sa tentative irréfléchie, il tomba, se cassa les deux jambes et en resta boiteux ensuite. Il racontait que la cause de son échec était qu'il avait oublié de se munir d'une queue. Des tentatives de cet ordre, il a dû y en avoir bien d'autres dans l'histoire. Et le problème est que ce récit ressemble beaucoup à une autre tentative, antérieure de plus d'un siècle. Il s'agit de Infernas. Il vivait à Cordoue et ceci est sa statue à l'aéroport de Bagdad. C'est un historien marocain, Al-Makari, qui raconte. Entre autres expériences très curieuses qu'il fit, il essaya de voler. Il se couvrit de plumes à cet effet, attacha une paire d'ailes à son corps et, montant sur une éminence, il se lança dans l'air. Selon le témoignage de plusieurs écrivains dignes de confiance, témoins de l'exploit, il vola sur une distance considérable, comme s'il avait été un oiseau. Mais au moment de se poser à l'endroit où il était parti, son dos fut grièvement blessé, car il ne savait pas que les oiseaux, quand ils se posent, arrivent sur leur queue, et il avait oublié de s'en procurer une. Maintenant que vous êtes prévenu, voici le témoignage de Guillaume de Malmesbury sur Gerbert. Ennuyé de la vie monastique, ou entraîné par la passion de la gloire, il quitta le couvent pendant la nuit et s'enfuit en Espagne pour étudier chez les Sarrasins l'astrologie et les autres sciences de cette nature. Il apprit sous leur direction après 2 ans ce que signifient le chant et le vol des oiseaux. Il connut le secret d'évoquer les ombres des morts. Enfin, il posséda tout ce que la curiosité humaine peut connaître de nuisible ou de salutaire. Il est inutile de parler des sciences permises, arithmétique, musique et géométrie. Il s'en pénétra de manière à prouver qu'elles étaient au-dessous de son génie, et il en ranima l'étude dans la Gaule, où elles étaient depuis longtemps tout à fait oubliées. Il fut assurément le premier qui, prenant l'abacus chez les Arabes, en donna les règles,
que les abbassistes comprennent à peine, après s'être bien fatigués à les étudier. Hébergé à Cordoue, chez un sarrasin dont il avait gagné la confiance, il se débrouille pour lui voler un livre de secrets qu'il convoite. L'assiduité avait engendré la familiarité entre Gerbert et la fille du sarrasin. D'accord avec celle qu'il aimait, il enivre son père, prend le livre placé sous son traversin et s'enfuit. Le sarrasin s'éveille. Guidé par les étoiles dont il connaît les secrets, il poursuit le fugitif. Gerbert précipite sa marche et arrive à la mer. Là, par des enchantements, il appelle le diable. Il lui jure un hommage éternel s'il le protège contre son ennemi qui s'est remis à sa poursuite et s'il le transporte au-delà de la mer. Cela fut fait. Et voilà Gerbert lié au diable par son pacte. Gerbert, revenu dans la Gaule, sa patrie, ouvrit des écoles publiques et acquit la réputation du maître le plus savant. Il avait, pour compagnon de ses études, pour collègue, Constantin, abbé du monastère de Saint-Maximin, près d'Orléans, auquel il adressa les règles de l'abacus. Croyez-le ou non, ceci est strictement exact. Gerbert, soutenu par son patron, qui était le diable, pressait la fortune pour réaliser tout ce que son imagination avait rêvé. Il fit servir à ses passions des trésors autrefois cachés par les gentils et que la nécromancie lui avait fait découvrir dans des amas de ruines. Et curieusement, avant de protester de la véracité de son récit, Malmesbury ajoute « On pourrait croire que ce sont là des inventions du peuple, parce qu'il se plaît à attaquer la réputation des savants et qu'il accuse de s'entretenir avec le démon, celui qui excelle dans son art. » Guillaume de Malmesbury a démarré la légende noire de Gerbert. Mais cette légende a bien été entretenue au fil des siècles suivants. Sur ce manuscrit du XIVe siècle, Gerbert pactise avec le diable. Au-dessus, en rouge, est écrit « Du pape Sylvestre II et comment il fit hommage au diable ». Voici une gravure allemande de 1460, environ 50 ans avant Luther. L'église de Rome commençait à être remise en cause. S'attaquer au pape des siècles passés était un moyen de s'en prendre à l'église du temps. La réputation démoniaque de Gerbert a duré jusqu'au XIXe siècle, puisque Victor Hugo l'utilise dans La Légende des siècles. Il imagine une visite de l'enfer avec tous les personnages qu'on s'attend à y trouver. Nuit sinistre où pas un des coupables n'échappe, ni sous la pourpre Othon, ni Gerbert sous la chape. Pensif, je m'assurai qu'ils étaient bien là, tous, et je leur dis « Quel est le pire d'entre vous ?» Alors, du fond du gouffre, ombre patibulaire, où le nid menacé par l'immense colère, autrefois se blottit et se réfugia, Satan cria « C'est moi !» Crois-tu, dit Borgia ? S'il y avait un endroit où l'on puisse rencontrer les mathématiciens des siècles passés, j'aimerais bien le visiter, moi aussi. Je leur dirais « Qui est le meilleur d'entre vous ?» Gauss crierait « C'est moi !»« Crois-tu, dirait Gerbert ?» Oui, vous avez raison. Quand je commence à délirer comme ça, il vaut mieux que j'arrête.